Bonjour à toutes et à toutes, c'est Vitesse. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo sur la Neo Geo X Gold. Ça faisait longtemps que cette console était branchée dans mon installation de console et il était peut-être temps que j'en fasse une vidéo dessus. Donc, on est sur l'écran d'accueil là. Et j'ai mis au moins une heure à réussir à tout mettre comme il faut parce qu'au début la console n'était pas chargée. Donc en fait c'est une console portable qui se met dans la console, c'est pas comme la Switch, hein, c'est tout à fait autre chose. Et après le son, j'avais pas de son dans le casque, donc là j'ai du son. Donc tout est ok. Alors pour cette console je sais même plus combien il y a de jeux. Mais c'est très souvent les mêmes choses. Ah oui également, ça c'est la manette. Donc le problème c'est que c'est un joystick, donc le bruit. Voilà, ça va faire beaucoup de bruit de stick justement. Alors du coup juste au début c'est quoi, voilà, donc là on est ici, donc dans le jeu il y a une carte mémoire, enfin une carte SD, bon Mini Ninja machin, on s'en fout. Donc du coup on va jouer justement au jeu de la Neo Geo X Gold. On va pas tout faire non plus parce qu'il y a énormément de jeux de combat, donc on va commencer par celui-là. On va pas tous les faire par contre, hein. Là je commence par le début, je crois que lui j'avais essayé tout à l'heure, je crois que c'est un jeu de catch, de lutte. Et je me suis fait défoncer la poire en 2 secondes. Donc là normalement j'ai du son, c'est bon. On va mettre en normal, hein. On n'est pas non plus des tafioles. Ah non c'est pas celui-là que j'avais testé. On prend lui. Honnêtement, jouer là-dessus c'est très très compliqué. Bon au moins il y a 4 boutons donc c'est assez simple. Alors bon, il y a énormément de jeux de combat hein, sur la Neo Geo. J'essaie de faire un peu quelques trucs, je sais même pas si on peut faire des coups spéciaux. Ah si, ça y est. Alors. Ouais, c'est quoi cette barre de vie qui m'a enlevé là. Ok, bon. Moi, les jeux de combat, surtout avec des sticks comme ça, c'est vraiment pas évident. J'essaie de faire de mon mieux. Ah c'est tout? C'est fini? Un seul combat? Non, ok, oui, il y a la remanche, ok. Bon, ça vaut pas du tout les sticks arcade de Street Fighter V ou de Mortal Kombat, voilà. Allez, allez, allez. On va quand même essayer de gagner le premier match, c'est bien. En fait, j'arrive tellement pas à jouer que le... Putain, mais je vais me faire défoncer. Allez, coup de pied. On va spammer le coup de pied. Oh, merde. Alors, par contre, c'est vrai que le stick, il pèse pas grand-chose. Hein. C'est pas très très lourd à l'intérieur. Bon, allez, dernière round. Allez, allez, mais tape-le, mais tape-le. Il est trop loin à chaque fois. C'est quoi ces coups de pied de ouf là qui donne lui? Vas-y, faut que je refasse un coup spécial. Ouais mais c'est quoi ces mains? Allez mais tape! Oh non. Oh bon tant pis, laisse tomber. Bon pas grave. On va essayer un autre jeu. J'espère réussir sur King of Fighters, ça serait bien. Donc ouais du coup voilà, pour quitter en fait le bouton il est sur la console, il est pas sur la manette le bouton menu, parce qu'en fait la console est dans la console de salon, enfin, c'est assez spécial comme truc. Je vais pas vous parler en détail de la console en elle-même, mais ouais, je vous laisserai sur internet pour voir comment ça fonctionne ce machin. Alors cette console elle est sortie en 2012 et moi je l'ai eu en 2014 je crois, j'ai eu pour mes 20 ans cette console. Sachant que j'en ai depuis peu, 22 ans maintenant. Voilà. Ah bah c'est ce jeu là que j'ai fait tout à l'heure. Ouais c'est un Rookie Championship. Je pensais que c'est un jeu de boxe. Mais ça m'a l'air d'être plus du catch en fait. Bon c'est... Je dirais que c'est un peu le seul défaut de la console. C'est qu'il n'y a que des jeux de combat quoi. Elle était réputée pour ça, hein, pour les jeux de combat mais... Bah, à force de mettre que ça, bon bah. Il n'y a pas trop d'originalité quoi. Bon, allez, passe, on s'en fiche. Hein. Voilà. Alors, je me suis fait détruire tout à l'heure sur ce truc là.
Allez, allez, allez. Putain, mais touche-le. Mais voilà, avec son lance-flamme. Oh, mon bordel. Mais il le tape même pas dessus. Oh là là. Ah là là. J'aimerais pas dire, en vrai, c'est une console de merde. Non, c'est que c'est pas évident, en fait. Alors, faut remettre ça dans le contexte de l'époque. La console, donc la Neo Geo, donc la vraie, hein, elle est sortie en 90, donc ça a plus de 27 ans maintenant. Et bah, il y a 27 ans, c'était une très bonne console. Mais allez, mais tape-le, mais enlève-le de la vie, là. J'ai l'impression de jouer à F-Zero à force d'avoir mal au poignet. Hein. Ah merde. Bon, ouais. Laisse tomber, c'est une catastrophe. On va faire notre truc. Voilà. Parce que je sens que le match il va durer 8000 ans. Ça fait combien de temps du coup? On va partir sur à peu près 20 minutes de vidéo. Au pire, c'est quoi, on peut tous essayer. Hein. Après, il y en a s'ils sont plus longs que les autres, on va raccourcir un peu le truc. Bon, c'est quoi ça? Un jeu de combat, encore. Oh là là. Enfin, je vous ai dit, il n'y a que ça. Oh, personnage, on s'en fout. On prend Sacha. On va jouer contre Sacha de Pokémon. On va jouer contre C18. Voilà. De Dragon Ball Z. Wouah. Wouah, j'ai perdu. Presque. Ah d'accord, il y a la barre rouge aussi. Ah, ok. Je me disais aussi, elle part tellement vite la vie. Voilà, elle fait quelque chose, mais tape là. Oh non, je vais perdre. Oh, mais je suis vraiment un naze, hein. Oh là là. Bon. Ok. Round 2. Bon, on va gagner au moins un round, ça serait bien. Oh, mais regarde-moi ça. Je peux pas attaquer. En plus, ça fait tellement mal aux mains, le placement des boutons. C'est... Bah, disons, c'est tellement plus habituel que comme ça. Je sais pas, fait un 2x3/4 de cercle. J'ai une crainte au poignet. Mais allez, mais tape là au lieu de sauter. Oh putain, mais non, mais. Ah. Ah, ça fait mal. Ça fait mal ici, quoi. C'est comme sur F-Zero, quoi, avec le sneaking. Parce que t'as la main sur le côté, quoi. Oh là, mais la vie, elle descend à une vitesse là-dedans. Putain, bon. Oh bah vas-y, meurs. Oh là 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 là. Bon. Bon allez, on en fait un autre. Bon, pour l'instant, hein, c'est que des jeux de combat, mais ça va, bah, ils sont assez sympathiques quand même. Bon allez, on va essayer celui-là. Je sais pas ce que c'est, honnêtement, j'ai dû jamais le tester lui. Ok. On me dit pas qu'il y a un scénario en plus. Qui c'est que ce truc? Oh, c'est un peu. Oh, c'est en Tetris. Attends, mais c'est inversé, les. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça n'a pas encore commencé. D'accord, bon. Ok, là ça commence. Ah, il faut libérer le poisson, c'est ça? Ok, d'accord. Ah, je joue à Tetris. Bon, si c'est Tetris, hein, on passe à autre chose. Ça, tout le monde connaît Tetris. Alors, lui, je crois que c'est celui que j'ai le plus joué. Genre 20 minutes. Alors, il est bien ce jeu, mais le problème, c'est que comme c'est
un pad avec un seul stick, bah, c'est pas évident à contrôler. Faut vraiment connaître les déplacements du personnage et du viseur, parce que c'est les deux en même temps. Allez, le push start, voilà. Voilà, en fait, nous, on contrôle le personnage, mais également la visée. Et bah, c'est assez spécial. Enfin, c'est pas évident au premier abord. Bon. Au moins, ça, c'est un jeu assez fun à faire. C'est cool. Et le problème, c'est que voilà, mon viseur est tout à droite. Si mon viseur est tout à gauche, bah, faut que je déplace mon viseur, mais également mon personnage pour aller tout à droite. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte là-dedans. Mais ça, c'est quand même sympathique, ça fait un petit jeu rétro cool à faire. Oh, dans ta gueule! Elle crève l'hélicoptère. Ok, pas assez loin. Oh, oh merde, oh, c'est des grenades. Oh putain, ah, c'est... voilà. Oh non, je suis mort. Bon, ok, laisse tomber. Après, je suis pas non plus exprès de perdre aussi vite, mais bon, comme il y a pas mal de jeux, je vais pas m'éterniser non plus dessus. Mutation. Bon, bah, un jeu de combat, je pense. Hein. C'est un jeu de quoi? Un jeu de combat ou pas? Ouais, j'ai plus beaucoup de batterie dans les caméras, encore une fois, mais j'ai jamais de batterie de toute façon dedans. Ok. Bon, on s'en fiche. Un jeu de combat. Ah non, ah c'est un peu la Street of Rage, non, je sais pas, si. Ah ouais, bon c'est un beat'em up, c'est ça, on a un beat'em all. Ouais, ah bon, au moins ça change, honnêtement je savais pas qu'il y avait ce jeu là. B. Oh, ça fait un Street of Rage sur la Neo, ouais, sur la Neo Geo plutôt. Oh putain, il est pas dans le même angle, oh là là. Oh mais MD, voilà. Ah mince, déjà un boss, attendez, voilà. Alors select, c'est la pause, d'accord. Ouh. Ah, quand il y a quoi comme bouton? Bouton D, il sert à rien. Ok, donc sauter et taper. Bon, oh mince. Bon, c'est assez calme comme jeu. Ça va, ça change les jeux de combat. Oh non, je vais perdre. Je suis un peu en train de jouer un peu comme de la merde aussi, là, pour le coup. Voilà, je l'ai tué. Bon, c'est sympathique. Allez, on va changer de jeu. Plus vite c'est, mieux c'est. Ah, déjà 13 minutes, ça va assez vite, hein, quand même. Bon, il faudrait... vraiment au maximum 30 minutes parce qu'après ça fera trop long. Allez. Un jeu de... ah oui, oh il est sympa celui-là. Je crois que... ah oui, on peut aussi dégommer les voitures. C'est un manic shooter, hein, si je me souviens bien du terme. Ah bah je suis mort. Oh, ok, bah d'accord, laisse tomber. Donc normalement, si je me souviens bien du terme du jeu, c'est un manic shooter. Il n'y a que le bouton A qui sert dans ce jeu. Oh putain. Il n'y a que le A. Les autres boutons ne servent à rien. On peut monter, descendre avant de circuler. Et le bouton A. Sinon je vais me faire griller. Oh. Bon allez vas-y. Mais je fais exprès ou quoi? C'est quoi ce bordel? Bon, comme quoi il n'y a pas que des jeux de combat non plus. King of the Monster. Ok. Ah oui, également pour vous montrer un peu
la différence de taille d'une manette. Là, c'est une manette PS4. Voilà un peu. Attendez, je vais mettre dans le bon sens. Voilà la différence entre une manette PS4 et le pad de la Neo Geo X Gold. Qu'est-ce que c'est que ce jeu là? C'est quoi, c'est King Kong contre Godzilla? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, un player. Non, enfin, joueur contre. Ok. Je vais prendre lui, il a l'air d'avoir plus de classe. On est au Japon, bah évidemment, hein, le cliché des grands monstres comme ça. Alors, soit c'est un combat de Power Ranger avec le Megazord contre le vilain monstre, soit c'est. Mais soit c'est. Comment il s'appelle? Godzilla contre qui? Ah, je sais plus comment il s'appelle. Ultraman, voilà. Ultraman contre Godzilla. Allez, mais fais quelque chose. Bon, là, je vous avoue, c'est un peu débile comme jeu. Là, c'est. Bon, dans le concept, c'est pas méchant, mais. Je sais pas, c'est. Le moyen, je trouve. Oh, puis la. Le pire, c'est comme c'est en 3D isométrique, c'est assez chiant à contrôler. Regarde-moi ça, là. Oh là là. Bon, non, honnêtement, j'adhère pas à ce jeu. Non, j'adhère pas du tout. Pour l'instant, lui, non, honnêtement, j'ai pas aimé celui-là. Alpha 2, c'est parti. Alpha Mission 2. On se met en normal. ABC, d'accord. Ah, lui, bah là aussi, c'est un Manic Shooter. Alors, le premier, ça devait être aussi pareil, alors. Ah bon, ça fait quand même beaucoup plus arcade, hein, faut avouer. Et c'est vrai que des jeux comme ça maintenant, bah ça n'existe quasiment plus quoi. Alors, c'est extrêmement rare d'en trouver. Ouais, c'est vrai que des jeux comme ça, honnêtement, dommage qu'avec la nouvelle génération, il y en a de moins en moins, voire même plus du tout. Oh bah d'accord. Ouais, bon, oh, mes mains, je t'ai pensé. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai un bouclier. Oh, cool. Alors, bon, évidemment, ce genre de jeu-là, ça se joue vraiment sur une vraie borne d'arcade. Mais en 2017, en trouver une avec le jeu, c'est. Non, quoi, c'est. Il y a un boss, c'est ça? Oula. Voilà, on se fait le boss, après on passera à un autre truc. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, je suis le petit vaisseau rose, hein, qui se déplace. Hein. Ok, il est mort. Bon, c'est sympa, on va passer à autre chose. Bon, contrairement au jeu d'avant, lui il est quand même mieux. Cyber Up. D'accord, bon, de toute façon, c'est tout le temps les mêmes boutons. Ah ouais, c'est. C'est un genre de sous-Metal Slug. On verra après. Bon, c'est un jeu de plateforme de l'époque en fait. Hein. On tue un peu tous les ennemis. Ah, dehors, quoi. Ah, je peux pas tirer vers le bas. Bon, c'est dommage. Oh, bah évidemment, je tombe sur un ennemi. Ah, là maintenant, je peux. Il me reste encore une vie. Bon, on va essayer de tenir. Ouais, je crains le pire. Bon, je joue vraiment comme un naze là, aujourd'hui. C'est pas très grave. Bon, c'est un. Il est bien ce jeu. Il est sympa.
Fatal Fury, ça y est, on rentre dans les jeux de combat encore. Donc, ah oui, j'ai un jeu Neo Geo AES, je crois que bah, c'est Fatal Fury 2. Mais étant donné que j'ai pas la console, on reste en normal. Hein. Ah mais c'est encore Sacha. Allez, on va garder Sacha du Bourg Palette. Et on va jouer contre qui? Allez, tiens, lui. En Chine, comme d'habitude, hein, je viens de vous dire. Oh, c'est pas en France qu'il y aurait ça. Hein. Allez, 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 allez. Bon, et si je me fais défoncer au premier round, donc je change. Hein. Oh putain, c'est pas bien. Alors pourquoi est-ce que dans les jeux de combat, j'ai tout le temps l'impression de prendre le joueur le plus naze de tous les personnages, quoi. Mais tape, allez! Bah allez, je me fais un deuxième round là, parce que non, là c'est pas possible. Ah mais c'est un déchaîné lui là. Eh, je suis en mode normal hein. Bon ok, allez. Ah, tu sais quoi le vieux? Va-t'en, pour être poli. il reste quoi? Bon, parce qu'après, si on fait que du combat. Ah, il reste quand même pas mal. Hein. Oh là là, bon. Bon, lui, allez. On va quand même tous les faire. Mais je vais vraiment accélérer vite fait hein, sur les jeux. Parce que moi, ça serait bien que ça dure pas plus de 10 minutes encore. Allez, puis je start. En anglais, on s'en fout. Bon, encore un jeu de combat. Mais non, mais bon, vas-y, encore 4 secondes. Et Ryu contre Robert. Sexte plus, non Robert maintenant. Yo versus Robert. Ah, ça a l'air de ressembler plus à du Street Fighter pour le coup. Bon, c'est un poil plus simple déjà. Hein. Attends, mais il attaque lui ou pas? Bah, il attaque même pas. C'est quoi ça? C'est en mode entraînement quoi. Bon, ok. Allez. On passe avec autre chose. Parce qu'après le jeu de combat, c'est un peu tous la même chose, quoi. Du foot! Pour changer. Pour une fois, je suis content de voir un jeu de foot. Alors, j'ai déjà joué ce jeu il y a fort longtemps. La dernière fois que j'avais joué cette console. C'est spécial de jouer avec ça, hein, encore une fois. Mais c'est... Ouais, une minute, hein, comme ça, un jeu de foot, c'est pas non plus extraordinaire. On va prendre la France, n'est-ce pas? Voilà. Contre le Japon, évidemment. La Corée, même. Je crois qu'il y a un énorme cliché sur les Japonais là-dedans, ou les Asiatiques, en tout cas. Bon. Ah, c'est kick-off, d'accord, bah, je me le disais aussi. Oui, il y a eu un remaster de ce jeu... Mais le terrain, c'est le terrain d'Olivier Tom ou quoi? Comment on change de personnage? Ok, ensuite. Oh, le lancer. Oh, j'ai le ballon. Allez, vas-y. Il reste 30 secondes. Wow, 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 non, garde le ballon. Oui, j'ai le ballon. Non, oui. Non. J'ai raté. Tant pis. C'est vraiment pas facile. Encore 10 secondes, non, 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 non. Oh, c'est faute là. Mais ça, c'est la mi-temps. Bon, c'est pas grave. Allez. La mi-temps, c'est pas grave. On accélère.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Du bowling. Oh là, pff, du bowling. Bon, je sais pas si ça va faire 30 minutes. Bon, même si ça fait plus, je sais pas. Allez, 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 allez. D'accord. Bon, je refais un deuxième lancer, ok? Et après, sinon... Bon, allez, on change. Et là, on va passer à Metal Slug. Ouais, c'est ça, Metal Slug. C'est peut-être le meilleur jeu de la console. Bon, après, c'est un peu équivalent. Bon, je vais pas dire que Metal Slug, mais c'est bien, c'est un bon jeu, Metal Slug. Mais pour la vidéo, je vais pas non plus m'éterniser dessus. C'est un très bon jeu. Pas besoin du bouton D, d'accord? Que je m'appelle juste des boutons. Donc là, on peut tirer en bas, normalement. Non, plus, je sais plus. Voilà, j'ai des touches. C'est vraiment très fun, c'est vraiment de l'arcade pure. Je vais essayer de sauver Robinson. Hein. Voilà. Oh, je suis mort. Là, je vais un peu vite hein, pour la vidéo. Voilà. C'est vachement kiffant comme jeu. Il faut juste tout détruire sur son passage. Ah, il y a du poulet, il y a du poulet. Ça donne de la vie, poulet. Ah merde. Bon, il me reste encore une vie. Et on va tout défoncer à coup de vaisseau, à coup de tank. De tank bizarre. Je suis bloqué. Encore une fois, il y a ce souci, c'est qu'on peut pas faire gérer. Ouais, on peut pas gérer la trajectoire et les tirs. Oh merde. Étant donné que tout se fait sur le même stick, c'est assez difficile à faire. C'est quoi, du golf? Non, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je vous avoue, je ne le connais pas ce jeu. Bon, pas grave. Non, lui, connaît pas. Ça enregistre toujours, c'est bon. Du hockey sur gazon, je pense. Ou du baseball, j'ai même pas lu le titre du jeu. Ouais, du baseball, voilà. Allez. On se fait quelques petites balles. Ok, là, c'est moi qui tire. Ok, d'accord, j'ai raté. Allez, on se refait un autre petit tir. On va essayer d'aller sur la base 1. Bah, vas-y, 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 cours, 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 cours. Mais putain! Allez, une troisième. Oh, il a l'air vénère, le Damien. Ok, attends, parce que là c'est la dernière balle. Oh putain, bon allez, on change. Pas grave, bon, j'ai raté ma partie de baseball, c'est pas grave. Samurai Warrior 2. Et on arrive bientôt à la fin, normalement, je pense.
Bon, ça fera peut-être un peu plus de 30 minutes. Il faut vraiment un peu plus parce qu'après c'est trop long quoi. Ah lui j'ai joué sur borne d'arcade je crois déjà. Alors on va prendre une fille, on va prendre elle pour une fois. Hein. Ah blablabla. Normalement les filles sont tout le temps très fortes dans les jeux de combat donc. Ok. Ah, je me fais violer là derrière l'écran. Oh là 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 là, mais il fait tellement mal. Ah, j'ai un super méga pouvoir. Oh putain, c'est quoi cette. Alors attends. Droite, gauche. Diagonale, bas, gauche. Bas. Diagonale, bas, droite. Droite. Plus 1. Bah, t'es marrant toi. Attends. Quoi? J'arrive même pas à la faire. Ah d'accord, c'est simple en fait. J'ai raté! Non! J'ai raté! Oh putain. Ah mais il a des points aussi gros que ma tête! Bon, pas grave, allez. Mince, j'ai papier. On change. J'ai réussi la technique, le super combo, mais bah, c'est pas rentré. Ok, il en reste du coup 3. King of Fighters 95, Fatal Fury, et après l'autre qui est dans le spécial, je sais plus comment il s'appelle. Bon, ça va faire un peu plus de 30 minutes, mais au moins on aura fait tous les jeux. Au début, je voulais pas tous les faire, mais finalement, c'est bien comme ça. Allez, on s'en fiche. On prend Ah non, je vais prendre sa chaîne du Bourg Palette, c'est pas grave. Bon, comme je vous ai dit, hein, y a beaucoup de jeux de combat là-dedans. Hein. Mais au moins, c'est bien parce que si t'as ton préféré, bah tu peux, mais je suis vraiment. Ouais. Au moins, je gagne au moins un round, ça serait bien. Et la vie que je perds, quoi. You lose, merci. C'est quoi ce grand écart qui me fait lui? Mais regardez-moi le grand écart qui me fait ce joueur. On dirait Coyote dans les cartoons là. Bon, laisse tomber. C'est vraiment pas pour moi le jeu de combat. Et encore une fois, avec cette manette, c'est pas évident non plus. Donc, du coup, Fatal Fury. King of Fighters, évidemment. Oula. Normal. Pas besoin du bouton D. Allez, on prend Sacha, comme d'hab. Oh non, j'ai envie de prendre quelqu'un d'autre, bon, pas grave. Oh, allez. Moi je gagne ce round, gagne-moi ce round. Allez, allez. Ah, c'est pas fini? Si, c'est. Ok, j'ai gagné. Bon. On fait tout le temps la même chose. Pas besoin de faire le deuxième round. Après, graphiquement, j'ai pas vu de différence. Hein. C'est quasiment tout le temps le même jeu. Et là, on va faire le dernier jeu qui est sur la carte SD de la console. Donc, c'est là où on peut mettre plus de jeux. Ninja Master, et ça sera le dernier jeu de ce test, ou ce, enfin, cette découverte, ou cette vidéo sur la Neo Geo X Gold. Et on aura dépassé les 30 minutes, mais de pas grand chose. Et c'est encore une fois un jeu de combat. Allez, on va prendre une fille.
Natsumi, c'est le nom d'une fille. Bon, étant donné que c'est le dernier jeu, on va essayer de faire honneur. Il est quand même plus simple lui, je vais pas le dire. Ouais, il est quand même assez simple. Ouais, j'ai ma part de max, de pouvoir max. Comment on fait le méga pouvoir là? Non. Oh oui, non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai mon hyper, allez, vas-y. Oh. Bon bah j'ai plus mon hyper. Mais au moins bah, j'aime bien ce jeu de combat. J'ai gagné, c'est cool. Pour finir en beauté. Voilà. Ok. Bon bah voilà, donc du coup on va quitter. Hop. Et du coup bah, ça va être la fin de cette vidéo. J'attends juste qu'on se revienne au menu, voilà. De batterie dans la caméra, donc je sais pas si la caméra du coup a tenu jusqu'au bout. En tout cas, l'enregistrement du gameplay a tenu, ma voix a tenu. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.